premier défi est de réussir ma formation en 15 mois alors qu'un étudiant le fait en 3 ans. Et mon deuxième défi est ma bonne intégration dans une équipe tech, principalement masculine. Je m'appelle Sophie, je suis développeur à la Société Générale. À l'issue d'un bilan de compétences mené en 2021, j'ai décidé de passer de maîtrise d'ouvrage bancaire au métier de développeur. C'est un parcours en alternance qui allie théorie et pratique et dispensé par une superbe école qui est l'EFRE. Ouais. Ce programme a duré un peu plus d'un an. Ça a été très intense et très formateur, un réel défi. Et mon deuxième défi est ma bonne intégration dans une équipe tech, principalement masculine. Ce qui m'a attiré vers ce métier, c'est que le développeur est un artisan qui va rechercher puis développer une solution pour répondre à un besoin utilisateur. Aujourd'hui, j'exerce un métier qui répond à mes attentes et qui permet de m'épanouir. Foncez, mais pensez bien à organiser votre vie pro et votre vie privée, car la reconversion est très exigeante.